copier-coller pratiquement de ce qui s'est passé avec Lumumba. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ces travaux-là. Voilà, bah, j'introduirai de toute façon les suggestions d'orateurs. Et alors, il y a évidemment les académiques, hein, voilà, je pense à des personnes comme Frans Bullens de l'Université d'Anvers, qui a quand même fort étudié tous les aspects économiques de la colonisation, ou quelqu'un comme Jean-Philippe Plémence, aussi sur les aspects économiques, ou un juriste comme Éric David qui a travaillé sur les réparations à l'égard de la question de la colonisation. Il avait déjà été invité dans la commission Lumumba. Alors justement, dans la phase 2, il est justement question de la commission Lumumba. Et voilà, je suggère pour cela d'inviter quand même, de consulter certains experts de la commission Lumumba. Hein. Ils avaient sorti le livre Les secrets de l'affaire Lumumba en 2005. Et donc voilà, évidemment, Ludo De Wit, j'ai déjà dit, qui est quand même quelque part à l'initiative. Le point de départ de cette commission, mais les d'autres experts et aussi la famille Lumumba, hein, des personnes comme Juliana Lumumba, par exemple. De même sur les métis, bah, il faut évidemment consulter les cinq personnes qui sont allées en justice sur cette question. Meneer Van Hees, als u mij toelaat, het is niet direct de bedoeling om hier nu al beslissingen te nemen over de sprekers. Dat komt eigenlijk in een latere fase. Oui, c'est ce que je disais, mais je donnais quelques exemples, mais je précisais que j'allais de toute façon introduire ça au secrétariat comme c'est proposé dans votre schéma. Alors, dans la phase 3, ben, il y a le thème 2 qui est le rôle et l'impact structurel de l'État belge. Ben, je pense qu'il est important de pouvoir étudier toutes les lois que l'État belge et les autorités coloniales ont fait et l'impact que ça a eu sur la colonie, et aussi par exemple, les débats parlementaires qu'il y a pu avoir sur la colonisation. Il faut approfondir toute la question du lien de la colonisation avec les femmes et l'enlèvement des enfants, soi-disant orphelins, les politiques de contrôle des naissances. Voilà, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ces questions. Sur la question du racisme, ben, il y a des constats et chiffres actuels à tirer sur voilà, la situation en matière de logement, d'emploi, les discriminations qui existent donc à ce niveau, les monuments qui existent, les hommages à la colonisation comme élément, on peut dire, de propagation voilà, de l'idéologie colonialiste et du racisme que ça peut contenir. Et alors certainement l'analyse des programmes scolaires hein, pour voir les lacunes qu'il peut y avoir en matière d'apprentissage de la colonisation dans nos écoles. Je pense qu'on va pouvoir trouver des experts sur cette question. Sur le thème 4, donc le rôle et l'impact structurel des entreprises et les recherches sur l'effet économique de la colonisation, je pense que là, il y a un travail important qui peut être fait, qui a été déjà ébauché par les experts qui ont fait le document préparatoire, mais je pense qu'eux-mêmes montrent l'ampleur du travail qui pourra encore être fait, et notamment sur le fait de lister les sociétés belges et étrangères, voilà, par exemple les terres qu'elles se sont appropriées, les conditions de travail qui ont été imposées aux populations dans les colonies, les montants des bénéfices qui ont pu être tirés de la colonisation. Hein, on parle de taux de profit qui étaient en dehors de toute norme mondiale dans la colonisation belge à certaines époques et dans certains secteurs comme le secteur minier. Voilà, donc approfondir sans doute aussi la législation coloniale avec la notion de ce que ça avait de mission civilisatrice.
évidemment toutes les formes de travail forcé, les salaires appliqués, toutes ces questions sur les conditions de travail. Et je me demande s'il ne serait pas bien quand même d'avoir de pouvoir pointer l'attention aussi sur une entreprise qui est quand même emblématique de la colonisation belge au Congo, qui est Union Minière, hein. Union Minière qui a quand même voilà, été un des acteurs importants de la sécession katangaise et qui est une de celles qui a tiré le plus de profits de manière emblématique. Bon, il y a la Société Générale aussi, mais que l'Union Minière est plus ciblée, je pense que ce serait vraiment important. Mais alors, dans ces différents thèmes, hein, quatre thèmes, je pense, de la phase 3, moi, je pense qu'il faut ajouter un cinquième thème qui est incontournable, c'est la période postcoloniale, c'est-à-dire après l'indépendance, ce qu'on pourrait appeler le néocolonialisme. Voilà comment le colonialisme belge, en fait, a essayé de se maintenir, de maintenir les avantages qu'il avait sur la colonisation, l'exploitation économique, le pouvoir politique aussi. Voilà comment là, quelque part, la colonisation a essayé de se maintenir dans un cadre officiellement non colonial. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la colonisation, tout ce qui s'est passé dans les pays, dans les colonies belges, si on n'analyse pas cette période. Et voilà, dire en 1960, c'était la colonisation, la politique coloniale, c'était fini. Je pense que c'est une erreur. Je me demande si il ne faudra pas faire une estimation. Je vois que ma connexion est faible ou instable, mais j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend, Oui, monsieur Vanès. ça va. Ah, OK. Donc, faire une estimation du budget pour rendre accessibles les archives. Voilà. Qu'est-ce que ça coûterait? Parce qu'effectivement, on constate qu'il y a un problème important avec l'accessibilité des archives. Et alors, sur la phase 5, ben, quand on parle de victimes, on doit alors parler forcément de, je vais pas dire des coupables, mais d'auteurs. Donc voilà, qui sont ces auteurs? Pour pouvoir travailler sur ce thème, la première étape est évidemment de les identifier, hein, qui sont-ils, l'État, l'Église, les sociétés privées. Voilà, je pense que ça, c'est un préalable dans cette phase 5. Et alors, il y a question de toute des estimations, hein, des valeurs de ce que de ce qui a été pillé aux Congolais via les vols des ressources naturelles, des terres, du travail forcé, etc. Est-ce que on estime que, c'est le cas de le dire, est-ce qu'on estime que cette estimation, c'est quelque chose qui est réalisable? Je pense que ce serait bien entendu quand même des économistes pour avoir leur avis sur déjà la possibilité de le faire. Et alors, si on a des économistes qui estiment possible, voir quelles seraient les mesures à prendre pour faire cette estimation. Je sais que pour l'Inde, pour la colonisation anglaise en Inde, il y a des travaux qui ont été faits et qui montrent, voilà, qui déterminent un certain montant, hein, du montant.